mais ça va, j'ai encore le temps. C'est le genre des nouveaux patients. Nouvelle tête, même problème. Michael Jordan? Hein? Get 2 points! Ha! Get them! Rentrez! Bonjour, docteur. Vous êtes ma dernière chance. J'ai entendu tellement de bien sur vous. Mais je vous imaginais plus... Plus toute la somme de boulot que je ramène à la maison. Moi, j'en peux plus, docteur. J'ai l'impression d'être le larbin de mon directeur. Un esclave ou... Ouais, voilà, un esclave. Vous exagérez quand même, là, un peu, non? Non, mais vous avez écouté ce que je vous ai raconté, là? Non, ça m'intéresse pas. Oh, bah, c'est vous qui voyez, mais ça va être super. Non, mais je vous crois bien. Mais vous êtes pas venu pour parler de sportif, si? Bah, si, justement. Excusez-moi, docteur, hein, je... Enfin, c'est la première fois, vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Non, vous pouvez pas comprendre. C'est du harcèlement. Et pourquoi vous portez pas plainte? Et risquer de me faire virer. Mon boulot, c'est ma vie. Allongez-vous. Je ne peux pas m'asseoir plutôt. Oui, comme vous voulez, allez-y. Merci. Qu'attendez-vous de moi? Vous voyez, chaque fois qu'il y a une tension, un stress, hop, je mange. Je peux pas m'en empêcher. C'est comme une protection. Et vous avez vu un nutritionniste? Oh, vous dites tout ce qui se termine en iste? Un culturiste? Tous, je vous dis. Je les ai tous essayés. Tous les sportifs. Non, mais c'est pas que je sois nymphomane, hein. Mais j'adore le sport. Oui, mais enfin, de là à coucher avec un représentant de chaque discipline. Bah, je sais, mais c'est plus fort que moi. Mais il n'y a pas que le sexe, hein. Je les aide aussi à surmonter leurs petits soucis. Et vous faites du sport? Et vous faites du sport? Quand est-ce que j'aurai le temps de faire du sport? Bon, ce travail va vraiment me rendre dingue. Et en même temps, j'ai besoin de ce travail. Oui, mais est-ce que c'est ce travail dont vous avez besoin, hein? Je sais rien faire d'autre. Bah, vous pourriez essayer de trouver un loisir, non? Un loisir? Bah oui, quelque chose qui vous apaiserait. Parce que la nourriture, c'est plus une protection, là. C'est une destruction à votre stade. Non, il faudrait que vous trouviez quelque chose où vos deux mains seraient occupées. Je sais pas, du tricot, quoi. Mais j'aime pas le tricot. Mais si vous continuez comme ça, vous allez éclater. Il faut vous protéger. Bah, je sais, mais parfois, dans l'excitation, on n'y pense pas. Oui, bah, tâchez d'être moins excité. Mais c'est dans mon caractère. Moi, je suis comme ça. Speed, tac, tac, tac. Oui, mais enfin, à ce rythme-là, votre cœur va lâcher. Vous voulez un petit bonbon mentholé? Je dois en avoir un quelque part. Ah non, merci, non. Non. Je me demandais... Oui? Pourquoi pas l'hypnose? Ah, effectivement, ça pourrait être une possibilité. Vous êtes sérieux? Non, mais moi, je disais ça comme ça. Hein. Enfin,
Pas sûr non plus. Attends, vous me conseillez sérieusement de devenir assistante sociale spécialisée dans les sportifs? Mais enfin, l'idée vient de vous, hein. Le dialogue après le sexe. Pendant, c'est bien aussi. Mais enfin, à ce moment-là, on parle pas tout à fait de la même chose, hein. Mais si, c'est pareil. C'est exactement pareil. Moi, je dis hyper énergique, hein. Vous vous dites hyper kinétique. Mais au fond, c'est qu'une question de vocabulaire, hein. Oui, mais enfin, le sens, c'est pas tout à fait le même non plus. Vous direz quoi, vous, à ma place? Oh! Il est confortable, ce canapé. La semaine prochaine, alors? Oui, bien sûr. Je vous dois combien? 65 euros. Voilà, docteur. Merci. 65 euros pour m'entendre dire que je suis une pile électrique. Vous pouvez revenir la semaine prochaine, si vous voulez. Un papier là. Ah. Non, c'est pas grave. Excusez-moi, j'ai un peu de retard. J'ai été en urgence à l'hôpital. Un cas un peu particulier. Vous n'avez pas attendu trop longtemps? Non, j'ai juste d'arriver. Parfait. Enchanté, docteur Eric Frenbach. Enchanté, docteur Julien. Mais je vous en prie, installez-vous. Merci. Excusez-moi, mais d'habitude, c'est moi là-bas. Ah oui, pardon, excusez-moi, je suis confus. C'est rien. Ah. C'est vrai qu'il est confortable, ce canapé. Pardon? Non, rien. Bon. Julien, qu'est-ce qui vous amène? Eh ben, je sais pas à quoi c'est dû, mais la plupart du temps, on me prend pour quelqu'un que je ne suis pas.